Est-ce que vous êtes prêts pour une première française? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts pour une première européenne? Je vous entends toujours pas. Et avec de la moule, avec de la chatte, comme on dit en français, eh ben, ça sera même une première mondiale. Bon, en français, de toute façon. La poste a fini par arriver. Alors, je vais le poser vite à côté. Alors, il y en a qui vont paniquer, ils vont me dire, regarde comme il jette le carton, il y a de nouveau rien dedans, il nous arnaque encore le mani. Mais cher Sega 68, on a de l'humour. Pas tout le monde en a eu sur YouTube. Et je vais vous dire, je suis pressé de déballer ce machin. Souvenez-vous que j'avais râlé sur une machine parce que c'est un truggy et pas un monster. Je vous avais aussi dit que les fabricants de cette machine faisaient un minimum attention aux acheteurs et rectifiaient rapidement le tir. Alors, le voici. Arma Nero Big Rock avec le dit brun. Le disque brun que je précise tout de suite, je vais modifier, puisque pour crapahuter, on débloque l'arrière et on laisse l'avant bloqué dans les grosses pentes, et non l'inverse, comme ici un drift mode avec diff avant et arrière bloqué. La machine va survirer, ça sert à rien, avec autant de puissance en brushless, de toute façon on peut drifter comme on veut, et pour drifter, il y a des drifteuses, je vois pas l'intérêt de drifter avec un truck. Pourquoi j'ai pris celui-ci et pas le Nero, parce que tout simplement les pneus du Nero à la base sont pas terribles, il est beaucoup trop bas, la carrosserie non plus me plaisait pas plus que ça. Là ils ont fait un gros effort, il a pris 20 mm de garde au sol, c'est toujours pas suffisant à mes yeux, mais on va voir ce que ça donne quand on l'a ouvert. Et je tiens à faire une grosse pub à RC Cars. Point. Pardon, je me suis planté. RCRaceShop.de, parce que ils se sont démenés pour m'avoir cette machine le plus rapidement possible. Puisqu'il y a évidemment aussi beaucoup de chaînes en Allemagne qui ont commandé cette machine pour les déballer en premier. J'aurais dit que j'avais une petite chaîne française avec pas beaucoup d'abonnés et que ce serait sympa qu'on leur fasse un petit pied de nez aux autres. Juste pour rire, puisque je les ai blousés avec le déballage du Arma Nero, qu'il fallait que je rassure mes fans, je fais pas que des blagues quand je parle de Arma. Et là, je sais, je vous ennuie, parce que je parle, et je déballe rien du tout. C'est fait exprès. Je vous fais baver. Parce que moi, ça fait une semaine que j'en bave pour recevoir cette machine. Alors, je vais pas m'étaler sur le carton, etc. On va faire une vidéo relativement courte pour la première, pour être sûr qu'elle soit en ligne encore aujourd'hui, samedi 29. La première chose que vous recevez avec, bon, le carton, c'est le carton, hein, pour ceux qui aiment les cartons, les descriptifs, il faudra une vidéo sur le carton si vous voulez, laissez-moi une com. Ouais, je me moque. Alors, la première chose que vous recevez, c'est comme quand vous achetez une voiture à l'échelle 1. C'est la fiche avec les options. T'as acheté, mais achète encore. Les options, il y a les mudguards, donc ça c'est très bien vu. Il y a une barre anti-wheeling. Ça, par contre, que ce soit en option, c'est pourri. C'est comme chez Obao. C'est le genre de truc pour moi qui doit être livré avec un monster. Il y a aussi des options pour les cardans, mais attention, ceci est pour le Nero, puisque la grosse différence aussi mécanique entre le Nero et le Big Rock. Et que le Nero a des cardans en 14 mm de diamètre sur les croisions. Ici, ils sont passés en 16 ou 17. Vous avez qu'à contrôler sur le site pour être sûr, sur arma.com. Et ils ont aussi changé les axes de différentiel, puisque beaucoup se sont plaints des axes de diff, des axes de cardans de croisions qui pètent. On va pas acheter tous les cartons, parce qu'il y a des... Il y a la radio dans le carton. Et comme d'habitude, j'ai rien préparé. Vous avez vu, je suis là. Il est tout speed, bah, il a déjà bu 15 cafés. Il attend depuis la nuit. Regardez-moi cette carrosserie-là. Ils ont assuré. Franchement, puisque le Nero a une carrosserie crêpe.
qui va pas du tout avec l'Anthrax. Je rappelle que cet engin a un Anthrax de 480 mm, donc encore plus long que le 8SC qui est ici, qui est un des engins les plus longs qu'on puisse avoir. Mais on va vérifier ça tout de suite avec vous. Alors, on a... Ouais, ils sont optimistes, Charles. Donc on a effectivement un Anthrax de 375 mm, ce qui correspond à un SC8, donc un shorter sur un 8e. On va comparer tout de suite avec le Sen, qui lui il est là, les 380. Voilà, vous voyez la différence de gabarit. Parce que beaucoup ont du mal à se faire une idée de la taille d'un numéro. Donc le Hobart Hyper MT qui lui aussi a 380 mm. Bon, 5 mm c'est pas grand chose. Hein. Donc vraiment une super machine. Alors, les suspensions, la vache, les suspensions sont hyper raides. Ça par contre c'est nul. Ils ont été obligés de le faire puisque la machine est en fait globalement trop basse, et si vous avez une suspension bien souple à souhait, en fait vous allez percuter le sol. Donc ici ils ont la suspension est molle au début sur 1 ou 2 cm, mais après elle devient vraiment béton. Donc je ne crains que même avec les batteries dedans, cette machine soit très dure à piloter. Effectivement, vous voyez, il est vraiment très raide, et ce qui se traduit sur le terrain par un comportement sautilleur de la machine. Ce qui est un peu le cas de celui du Sen que j'ai préparé pour les sauts ici, mais qui est quand même encore plus souple que ça. Et toujours bien sûr le King Summit avec son débattement de fou, mais celui-ci est censé pouvoir faire des sauts. Alors assez blablaté, on va vous montrer la machine de près. Comme dit, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo bien propre et détaillée sur tout le reste. Le fond plat, je le répète, le Nero a un fond plat. Voilà, hein, c'est loin d'être ce qu'on attend d'un Monster sous le dessous. Je voulais cette machine pour la mécanique, tout simplement. Le blocage de différentiel différent Traxas, les cardans homocinétiques à croision en ferraille d'origine, la qualité des bras de suspension est au rendez-vous. On verra ce que ça donne pour les skids, etc. Comme on l'a vu sur les X-Max, les skid plates n'ont pas besoin d'être des grosses plaques en ferraille. Le rainage qu'ils ont fait sur les X-Max, c'est vraiment costaud. Autre chose que j'apprécie, c'est la fixation des clips à la carreau, qui est fait avec des caoutchoucs relativement solides, contrairement à Thunder Tiger. La carrosserie est de bonne qualité, et ils sont allés nous mettre les petits films à la Arma qu'on aime bien. Vous voyez, ils ont prévu pour que la carrosserie puisse poser sur la soupe. Il y a même encore deux petits trous à la limite, je pense, pour qu'on puisse y mettre une cale ou quelque chose. Il nous manque par contre les petites protections pour l'arrière. La peinture étant mate, j'ai bien peur qu'elle soit effectivement, je le confirme, la peinture est à l'intérieur de la carrosserie. À l'extérieur, ce qui fait donc que sur les retournements, on va dégager cette peinture. Vu que la peinture est à l'extérieur, par contre, du coup, les pastilles de protection, etc., servent à rien. Et Arma, éveillez-vous ! Ce que j'adore aussi sur cette caisse, c'est qu'ils ont enlevé le rouge partout. C'était bien, mais on l'a assez vu. Les amortisseurs sont du standard pour du Arma. Il y a la petite barre de condensateur en plus qui permet donc au variateur d'encaisser la surconsommation de ce moteur, puisque ce moteur est très gourmand. Le variateur est à 850, il en passe à 180. Il était nécessaire de mettre cette petite barrette de condensateur pour ne pas cramer le vario. Et là, sorti du carton, déjà, voilà. Alors Arma, est-ce que ça, Arma, tu appelles ça de la qualité? Le vario qui se promène, une pièce à 150 boules qui se balade sur la machine, ça c'est pas super. Le switch aussi, ils n'ont pas gardé le power on digital, ils ont gardé le petit bouton mécanique, mais par contre bien monté. Ils nous ont mis des XT90 pour encaisser la puissance, puisque les dynes ont le problème comme c'est des causes plates sur les sauts. Mais comme je dis, je répète, je vais vous refaire une vidéo plus détaillée pour la suite. Celle-ci, c'est juste pour être en tout premier sur net aujourd'hui. Salut tout le monde!